Salut tout le monde, on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de la police et après la story, je vous dirai mon avis. C'est Nasactu, premier sur les actus. Donc Bassem Braiki, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un célèbre Snapchatter et YouTuber de la région lyonnaise qui soulève des débats assez sulfureux tout le temps. Ouais, bah tiens. Demain. Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, franchement, j'ai envie de vous parler d'une chose. J'aimerais parler de la police nationale, de la gendarmerie nationale, surtout des nouvelles recrues. C'est un scandale. On voit de plus en plus de femmes flics avec leur uniforme qui se font les ongles. C'est un scandale. Il faut les virer. Moi, je comprends pas où elle est passée, cette hiérarchie dans la gendarmerie. Je crois que dans la gendarmerie, ça se fait moins. Mais où est-ce qu'est passée l'autorité quand tu es dans la gendarmerie et dans la police, surtout quand tu as un uniforme, votre mode de pouf, on n'en veut pas, quoi. Je sais pas si vous comprenez, c'est pas crédible. Une police, une femme policière qui te met les menottes avec une French manicure, tu as envie de lui sortir ton zop, quoi. T'as pas envie de coopérer ou... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pense que il y a plusieurs facteurs qui font que. Le premier, pour moi, qui est énorme, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'engage plus dans la police ou dans la gendarmerie par conviction. Pas parce qu'on est fille d'eux ou petite-fille d'eux. Non. On s'engage dans la gendarmerie et dans la police pour une sécurité de l'emploi. Faire des crédits, hein, en gros, hein. Se mettre la corde. Et surtout parce que le boulot, il est tranquille et tout. Mais c'est pas crédible, quoi. Une femme qui va faire une intervention avec ses ongles de sorcière, de Gargamel, elle va faire comment? Le P38, elle le tient comment? Enfin, ouais, il y a plein de choses qui est assez bizarre. Il manquerait plus que vous nous mettiez dans la police des YMCA, un YMCA. Et puis on est dedans, quoi. Non, non. Moi, je pense que chacun pense comme il veut. Moi, je dis que la gendarmerie, la police, c'est des métiers nobles, hein, que je ferai pas, bien sûr. Mais c'est des métiers nobles. C'est des métiers nobles. Voilà. C'est des métiers nobles. Donc, moi, ça me gêne énormément de voir toutes ces petites gamines maintenant qui font des photos, qui font des TikTok en uniforme. On devrait les virer. En uniforme, ils mettent sur les réseaux. On devrait les virer, mesdames et messieurs. Ou sinon, on va arrêter de payer nos impôts. Salam alaikum, les gens. Salam alaikum. Ah, Lioum. Lioum. Aujourd'hui. Lyoum Nam Loujaou. Nam Loujaou Maghrebi, c'est parti. Allah, Allah. Oui, Daddy. S'il faut sacrifier la RC6, on la fera. Putain, c'est vrai que c'est des belles voitures, les anciennes. Voilà, je voulais revenir au sujet après de la police. Après, il y a policière et policière, je pense. Je pense perso qu'il y a policière et policière. Il y a la pervenche, par exemple, qui est là que pour poser des prunes. Tu vois, elle va pas faire des interventions musclées. Elle est là, mais bon, elles avaient une certaine classe, les pervenches, à l'époque, tu vois, quand même. Donc, tu as aussi, quand il faut fouiller une femme, ben, c'est bien pratique d'avoir une femme policière. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent une femme policière dans à peu près toutes les unités. Tu as 3, 4, 5, 6 mecs et tu as une femme policière dans le tas. Tous les 4, 5, 6 mecs policiers, tu as une femme. Voilà, quand tu veux fouiller une dame, c'est mieux d'avoir une femme policière. Voilà. Après, oui, pour les grosses interventions, tout ça, très peu se qualifie pour des très grosses interventions. Voilà, c'est mon avis. Il y a aussi. Après, oui, la police, voilà, c'est pas un métier anodin. Voilà, c'est pas un métier anodin. Après, je connais même un flic, c'était un voisin carrément flic, il s'est fait carrément propriétaire. Il s'est mis carrément propriétaire et après il loue sa maison.
Carrément. Donc, comme quoi, ouais, quand il parle de police crédit, bon, ça s'arrêtait toujours au voisinage. Bonjour, au revoir. Je savais qu'il était policier. Voilà. Mais c'était. Ouais, il n'y avait pas d'histoire entre nous, quoi que ce soit, sauf quand je foutais le bordel. Il arrivait, ouais, je suis policier, tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que d'un côté, lui, il a été malin, quoi. Du coup, mettant, il loue sa maison, tout ça, il ouvre, sûrement, il a dû ouvrir un deuxième crédit. Donc voilà. Qu'après les femmes policières, c'est un vaste débat. Voilà, la limite pour faire pervenche, c'est pour fouiller les autres meufs. Il y a des meufs mettant qui se la jouent cow-boy aussi. C'est pas ça qu'ils dénoncent. Ils dénoncent pas les meufs qui se la jouent cow-boy, mais les meufs incompétentes qui font des TikTok, des trucs comme ça. Enfin bref, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.